Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un truc que je l'ai déjà fait beaucoup moi. Je sais que j'ai. Excuse-moi, c'est un petit bug. Je sais que je l'ai déjà fait, mais je la refais parce que j'avais oublié un passage. Donc voilà. Donc c'est le tuto du capstan. Donc on aura besoin d'un verre, de quelque chose de plat et de dur. On aura besoin de c'est tout, de nos mains aussi, et de notre cerveau. Bon, bref. Le capstan, en fait, c'est une musique qu'on va faire avec un gobelet en plastique. Il faut pas que ça aille en verre, parce que sinon le bruit ne va pas marcher. Il faut essayer de le casser. Donc voilà. Voilà. Donc, moi, il y a des mesures, mais pas. Alors, donc, j'ai tout le temps le creux en dessous. Il ne faut pas que ça aille comme ça. Il faudra tout le temps que ça aille en dessous. Il ne sera jamais comme ça. Voilà. Ce sera peut-être une fois comme ça. Mais jamais comme ça. Donc, j'ai déjà faire une démo. Ensuite, je ferai le tuto et après, je referai une démo. Bon, j'ai l'habitude de faire ça à ça, mais je vais faire un petit peu. Donc là, je vais me détendre. Donc là, il est bien détendu. Hein. Ah, je me trompe. Alors, si je me trompe, je serais vraiment désolée parce que, c'est que je débute, donc voilà, enfin c'est pas compliqué, hein. Ça paraît difficile, mais c'est très très facile une fois qu'on fait les mouvements. Après pour la rapidité c'est dur, moi, enfin pour la rapidité, pour moi c'est vraiment dur, donc voilà. Après il y a une chanson, mais moi je la connais pas, donc là c'est pas, après c'est voiture. Donc voilà. Ok. J'espère. Oui, j'ai pas l'habitude, hein. Je sais. Voilà, bon, c'est ça, mais plus rapide. Ouais. C'est juste la rapidité que je fais, mais c'est douceur, j'y arrive. Ok? Mais en plus rapide. Donc voilà. Alors tout d'abord, vous allez tout simplement taper deux fois dans vos mains. Trois fois par terre. Donc il faut qu'une main qui tape deux fois, enfin, que ce soit un, puis l'autre main qui fait un, puis l'autre main fait deux. Par exemple, là vous avez la main A et la main B. La main A va taper une fois par terre. La main B va taper une fois par terre. La main A va retaper par terre. Voilà. Ouais, vous m'aurez compris. Ensuite, vous allez retaper une fois dans vos pieds. Donc, ça va faire. Voilà. Au plus rapide. Je sais pas. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le verre et le déplacer. C'est pas compliqué, vous allez prendre, pas faire ça, vous allez faire le lever, le faire. Alors. Voilà. Ensuite, vous allez retaper dans votre main, prendre le verre comme ça. Vous pouvez le prendre comme ça, mais pas comme ça. Hein.
Mais comme ça, ce sera plus difficile. Donc, voilà. Vous prenez comme ça. Vous allez le mettre comme ça et faire ça. Donc, ça va faire. Voilà, vous tapez dans votre main, l'intérieur, dans votre main. Là. C'est ce rebord-là, vous allez le mettre comme ça. Pas comme ça, ni comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez le soulever et le prendre dans votre main. Soit vous pouvez le prendre comme ça, soit vous pouvez le prendre comme ça. Moi, je préfère le prendre comme ça. Donc, je vais déjà faire le sans le prendre comme ça. Ensuite, une fois que vous êtes comme ça, vous allez le prendre et mettre dans votre autre main. Cette main où il n'y a pas le gobelet, vous allez la poser par terre et vous allez reposer le gobelet. Vous pouvez croiser ou mettre comme ça. Et c'est terminé. Donc je fais tout doucement. Normalement, après, il ne faut pas s'arrêter, il faut recontinuer. La vidéo, là, elle dure 6 minutes 52, 53, 54, 55, bref. Bref, c'est pas grave. Il a roulé. Sinon, je récupère après. Bref, donc, stop la vidéo. Ok. Je vais rien dire pour le temps. Au revoir. Et tiens, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.